sentais fatiguée. Et du haut de ma timidité que vous avez pu observer, j'ai décidé d'avoir une intro qui allait changer un peu les choses, surtout que mes speakers étaient si talentueux. J'ai oublié tous mes speeches et je ne pouvais que danser. Alors la percée. La percée pour moi, c'est une transformation audacieuse avec un impact positif. C'est ce que mon père me disait. Ah, tout a commencé le 24 août 2013, à 12h15. Je m'en souviens. Quand mon père est décédé. Ah. Et à ce moment-là, tout mon monde s'effondrait. Tout partait. J'étais banquière d'affaires à Londres. Ça faisait à peu près 15 ans que je l'étais. Et je me souviens que je lui avais dit que je voulais rentrer en Côte d'Ivoire et devenir banquière, travailler à la banque. Et il me disait, tu peux être cofondée de pouvoir. Tu parles tellement que si tu fais autre chose, ça ne va pas marcher. À moins que tu travailles pour toi-même. Donc, ce 24 août à 12h15, après avoir remémoré et répété dans mon esprit ce qu'était la percée, je me suis dit, il fallait que la mémoire de mon père vive en moi, à travers ses valeurs et ses principes. Ainsi débuta ma transformation. Je suis allée à Abidjan, j'ai regardé un peu les services et j'ai réalisé que j'avais reçu un service client qui n'était pas très adapté à ce que je souhaitais dans une banque de la place. Et je suis repartie à Londres avec une amie à moi et on a décidé de créer un cabinet qui travaillerait ou qui opérerait seulement sur le service client. Alors sans flyers, sans rien, avec juste cette idée, je me suis dit, bon, je vais aller vendre à des entreprises le service client, tout le monde en a besoin. J'arrive, je vends, je me fais chasser de bureau, je me fais traiter d'illusionniste. J'ai même certains clients qui me disent, ou certains prospects à l'époque qui me disent, mais à quoi tu penses? Service client, mais c'est quoi ce nouveau mot? Nous, on travaille, on a besoin de faire notre profit. De quoi tu parles? Et avec mon amie, avec laquelle j'ai décidé de créer, on est toujours à la recherche, en fait, de cette percée-là. Et 6 mois après, je me rends compte qu'on n'a plus les mêmes objectifs. Elle est mariée à quelqu'un de très fortuné. Moi, pas. Et je me rends compte que nos objectifs sont différents. Et on se sépare. Donc, je me retrouve toute seule. Mais pas seule. Et je me dis, mais en fait, la vraie problématique, c'était dans la conception de ce que je vendais. Je vends un service client. Je vais essayer de parler aux gens qui travaillent en entreprise et essayer de voir ce dont ils ont besoin. Et je commence à discuter avec les personnes en entreprise et je me rends compte qu'elles ne sont pas valorisées, elles se sentent mal aimées, elles se sentent peu récompensées, elles ont l'impression qu'on ne les voit pas, leur volet émotionnel n'est pas pris en compte, on ne voit pas leur talent et on gère mal les conflits en entreprise. Et elles ont du mal à s'exprimer en public. Je me dis, mais en fait, Linda, tu t'es trompée. Tu ne dois pas vendre le service client, mais tu dois plutôt vendre la productivité d'une entreprise à travers les hommes. Parce que voilà la valeur ajoutée d'une entreprise. Et je reviens. Je commence à vendre, mais à ce moment-là, je parle en entreprise en leur disant, écoutez, je vous permets d'avoir une rentabilité multipliée par 100 si vous mettez l'homme au cœur de vos activités. Votre staff n'arrive pas à vous donner ce potentiel parce que vous ne savez même pas qui il est. Vous n'arrivez pas à le comprendre, vous n'arrivez pas à discuter avec lui et vous ne le retrouvez pas. Vous n'arrivez pas à gérer les conflits, vous ne savez pas qui il est. Et à ce moment-là, ça commence à résonner dans les esprits. Et tout le monde me dit, ah mais finalement, si, ce volet émotionnel, on ne le connaissait pas vraiment et on ne le pratiquait pas. Et je leur explique, le nom de mon entité s'appelle Kaizen. C'est le Kai et le Zen. C'est une connotation japonaise, pour ceux qui connaissent, qui part sur tout ce qui est amélioration continue. Et je leur dis, mais c'est vraiment le volet émotionnel qu'il faut remettre en cause. C'est vraiment ce qu'il faut vraiment mettre au cœur de vos différentes activités. Ça vous permettra d'être un peu plus productif. Pensez à l'homme. Le capital humain a une importance énorme. Pas seulement la productivité, parce que vous ne voyez que sur vos bilans les chiffres, tandis que les chiffres sont faits par des personnes. Pensez à celle-ci et vos chiffres vont remonter. C'est à ce moment-là que certaines entreprises commencent à discuter avec moi. Et les mêmes entreprises qui m'ont chassée à l'époque, qui m'ont mise dehors, m'ont traitée de folle, ont commencé à m'appeler.
J'ai eu à faire des formations gratuites, histoire de faire connaître un peu cette méthode qui était très méconnue. Et j'ai eu à remettre enfin l'homme, la valeur humaine, le capital humain, le potentiel que nous avons sur la table. J'ai eu à nous remettre au devant des choses. Parce que nous sommes réellement les vrais conducteurs de ces entreprises. Et ces entreprises ont du mal à le comprendre. Et c'était le plus important pour moi de leur faire comprendre cela. Et c'est comme ça que mon aventure a débuté. Et que Kaizen a commencé à avoir des clients. Certes, ils ne payaient pas, mais quand même des clients. On pouvait progresser. Et on apprenait et on montrait à tout le monde cette valeur. Et je me suis rendu compte que progressivement, la performance montait. Mais je n'étais pas satisfaite parce que je me disais, à l'école, je n'ai pas reçu cette formation. Et c'est là où ça commence, c'est là la base. Et j'ai commencé à faire ces formations dans les écoles. Je me suis approchée de certains lycées et j'ai commencé à former des petites filles en classe de seconde. Et je leur ai dit, c'est ce qui était important. On se rend compte que dans nos pays ravagés par des guerres, malheureusement, la valeur de la jeune fille, la valeur de la femme a complètement baissé. Et ces jeunes filles-là ne savent plus ce qu'elles recherchent. Elles n'ont plus de modèle et elles ne savent pas du tout sur quoi compter. Et je me suis rendu compte qu'à leur âge, j'avais cet homme, qui était mon père, qui me guidait. Et pour certaines, elles ne l'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. Donc il fallait leur inculquer un amour propre, une estime de soi, mais surtout une capacité à changer leur environnement de la manière positive et à penser qu'elle valait la peine sans avoir à faire, comme on le disait tout à l'heure, de la prostitution ou sans avoir à vendre de leur personne pour aller de l'avant. Et ça, c'était mon plus beau cadeau. Parce que quand je discutais avec ces jeunes filles, je me rendais compte qu'elles en avaient énormément et que leurs compétences et leur savoir-faire étaient mal utilisés. Et ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, certaines de ces jeunes filles sont en train de grandir pour des femmes à impact fort, mais surtout avec un objectif clair qui est de continuer à influencer de la meilleure manière et rester avec leurs valeurs africaines qui leur sont propres. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma tâche était quasiment atteinte. Mais quelle est la différence? Nous faisons toutes ces actions. Je forme. Mais comme on le disait tout à l'heure, l'innovation est la clé du développement. Pour réellement être cette percée, il faut pouvoir nourrir cette innovation. Malgré les échecs que j'ai eu à rencontrer, je pensais toujours à Winston Churchill qui disait « La réussite en elle-même n'est pas réellement... La réussite en elle-même, c'est la succession de ces échecs, mais avec un enthousiasme fou. » Cet enthousiasme de moi que vous avez vu ici, c'est le même enthousiasme que j'avais, même quand on mettait mon père sous terre. Parce que j'avais foi que ce moment très difficile était un moment pour moi de permettre à son héritage de continuer à vivre. Mais c'était surtout le moment pour moi de partager toutes les valeurs fortes qu'il m'avait apprises. Et c'est pour cela que j'ai décidé de me lancer dans ce dans quoi je m'étais lancée. Mais il faut surtout nourrir cette percée que j'avais découverte. Et pour nourrir cette percée, au-delà de l'innovation, il nous faut penser aussi à travailler sur nous-mêmes. Nous avons une capacité à ne pas vouloir travailler. Nous pensons que tout nous est dû de là où nous sommes. Tout nous est dû et nous n'avons pas besoin de nous battre pour y arriver. Mais c'est faux. Il faut travailler, mais il faut surtout se dire qu'on est au premier plan. Quelqu'un le disait tout à l'heure que c'est à travers nous que les autres vivent. En effet, oui, c'est vrai. Mais on a tellement tendance à reléguer tout au second plan en ce qui nous concerne qu'on ne le fait plus bien. Pour bien faire, il faut se mettre au premier plan. Parce que ce qui est bon pour vous sera forcément bon pour l'autre. Et quand vous faites quelque chose et que vous le faites avec un désir de vous faire plaisir, automatiquement, vous créez quelque chose qui va faire plaisir à l'autre. C'est ce que je veux dire par le travail sur soi. Après le travail sur soi, tout le monde le dit, il faut se battre. Il ne faut pas se battre contre son environnement. Je ne me bats pas contre mon environnement. Et vous ne devez pas vous battre contre votre environnement. Vous devez vous battre contre vous-même. Parce que votre environnement a capacité à être sain et à vous donner ce plus, ce boost qui vous permet d'améliorer vos compétences, de devenir encore plus fort. Vous êtes vous-même votre propre limite. Et personnellement, je n'ai jamais voulu être ma limite. Je me dis toujours que le ciel n'est pas ma limite parce que je, en tant que chrétienne, il y a le paradis. Donc même le ciel n'est pas une limite. Et cette bataille, il faut la faire contre soi-même. Parce que c'est toujours cette petite voix négative qui nous dit « Mais non, tu ne peux pas y arriver. Mais de quoi est-ce que tu parles ?» Si je devais écouter cette petite voix, je ne serais jamais devant vous parce que je serais restée la banquière d'affaires. J'aurais fait des fusions, des acquisitions avec grand plaisir et un salaire assez confortable. Selon moi. Mais c'est cette bataille personnelle que j'ai eu à faire
Il m'a permis d'avoir la force de vouloir créer les leaders africains de demain. Parce que nous avons des talents et nos talents sont enfouis en nous. Et trop peu de personnes parlent de nos talents africains. On parle trop souvent des talents européens et occidentaux et on oublie que nous sommes ce talent. Nous sommes un géant. L'Afrique est énorme et regorge de talents. Et nous devons pouvoir être transportés par cette idée talentueuse. Et cette bataille-là, c'est nous-mêmes qui devons la faire. Après cela, il faut avoir du courage. Il faut avoir beaucoup de courage parce qu'on va se faire complètement humilier parfois, traiter de fou. On va même avoir des commentaires négatifs de notre environnement proche, de nos familles. Ça peut arriver, hein. De nos époux, qui auront l'impression que notre indépendance dérange, ce qui va nécessairement créer des divorces. Regardez par là. Mais il faut surtout se dire que ce courage, on l'a. Comme on le disait, on est tous différents, mais on l'a réellement. Et c'est seulement en face de situations conflictuelles, situations difficiles, qu'on réalise qu'on a ce courage. Après ce courage, comme Michael Todd le disait, nous sommes les propres producteurs, scénaristes, acteurs, tout ce que vous pouvez entendre. Je suis la propre productrice de mon film. Je suis l'actrice principale de mon film. Je suis la danseuse principale de mon film. Et que ceux qui ont envie de regarder mon film, ben le regardent. Ceux qui n'ont pas envie de regarder mon film, ne le critiquez pas. C'est ça la différence. Et il faut avoir un niveau de crédibilité. Pas facile. Et pouvoir tenir la parole. En tant qu'entrepreneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas la chose la plus aisée. Parce qu'on vit dans une société qui nous crée beaucoup de domino-effets. Financièrement et émotionnellement parlant. Et c'est là la grande difficulté. Parce qu'il faut pouvoir respecter ses engagements, malgré les difficultés qu'on rencontre. Je vous avoue que parfois, j'ai du mal à respecter les miens. Et je suis très mal, parce que je ne sais pas comment régler cela. Et en face de moi, j'ai des personnes qui me verront bien mise, parce que j'aime être bien mise, je suis quand même ivoirienne. Et à travers cela, ils vont se dire, mais tout va bien, elle n'a pas de problème. Mais si. Et quand tu vas dire non, j'arrive pas à régler X parce que j'ai un petit souci, permets-moi d'avoir Y de temps, on aura l'impression que tu prends les autres peut-être pour des petits jeux et que tu n'y penses pas. Mais cette parole, elle est respectée simplement quand vous avouez que vous êtes incapable de respecter quelque chose au moment T, mais que vous avez l'intention de le respecter, mais que vous avez un moment de relâche et que c'est impossible pour l'instant. La communication vous permet, encore une fois, d'avoir ce niveau d'intégrité et de respecter cette parole. Parce que vous respectez la personne en face de vous. C'est réellement ça le plus important. Après cela, il faut vivre avec passion. Il faut vendre ce qu'on vend avec passion. Je vends mes formations avec toute ma passion. C'est une vocation pour moi de pouvoir travailler avec une jeune fille et de lui dire, voilà comment tu prends la parole. Voilà comment tu tiens tes jambes. Voilà comment tu regardes au mur pour pouvoir avoir un accent fort. Voilà comment tu impactes ton environnement. Je transporte tout le monde avec moi parce qu'en fait, cette passion, je la vis. Elle est en moi, elle est enfouie, vous la sentez même à l'instant T. Vous la sentez. Et ce beau dynamisme, il faut continuer à le partager. Parce que c'est en le partageant que réellement on fait sortir notre talent, notre potentiel, et ensuite notre désir d'impacter fortement. Mais fortement avec la plus grosse force qui nous est. Je suis Linda Afinkwasi. Je suis la directrice générale du cabinet Kaizen et nous sommes en Angleterre et à Abidjan. Mon désir fort est de créer les Africains leaders de demain, mais surtout les femmes africaines fortes qui auront un désir plus fort que les soucis qu'elles pourront rencontrer au quotidien, qui auront un désir plus fort de parler d'autonomisation, mais qui se diront en fait, je suis autonome, je n'ai pas de limites. Et mon désir le plus grand, c'est vraiment d'impacter mon environnement au quotidien. Au quotidien, au quotidien. Je vis, je dors, je respire cela. Parallèlement, la persévérance et la détermination sont nos valeurs les plus omnipotentes. C'est vraiment ce qui me définit et c'est ce qui me permet d'être en face de vous aujourd'hui. La détermination et la persévérance. Parce qu'après tous les échecs que j'ai connus, après la grosse perte que j'ai connue, ma foi m'a permis d'être là aujourd'hui. Et comme tout à l'heure, ça me parlait du Saint-Esprit, ben oui. C'est lui qui nous accompagne. Mais par-dessus tout, cette persévérance m'a permis de vendre cette idée que j'avais, de la mettre sur papier pour
pour qu'elle devienne aujourd'hui cette percée que vous avez en face de vous. Donc mon désir le plus ardent, c'est de vous laisser avec le même désir que j'ai, qui est d'être la meilleure fille pour ma mère, la meilleure mère pour ma fille de 12 ans, la meilleure servante pour mon environnement, à qui je permettrai de grandir et de faire sortir son potentiel pour impacter notre belle Afrique, et surtout, surtout, la personne la plus humble qui vous dit «